Je vais vous montrer des petits motifs et des idées d'improvisation pour vous amuser à jammer tout seul avec votre guitare dans le style balade blues rock, un petit peu dans l'esprit Frusciante et Jimi Hendrix. On va se baser sur la pentatonique majeure et sur l'accord de la majeure. On prend la gamme majeure pentatonique de La, à partir de la cinquième case. 5, 7, 4, 7, 4, 7, 4, 6, 5, 7, 5, 7. Et on va prendre un La majeur en barré. Et ça va être en fait notre forme sur laquelle on va se baser pour créer des formes à partir de ces points, la 5e, 6e, 7e, 7e et 5e case. Donc en fait, vous allez faire des diades, c'est-à-dire des double stops. Vous allez faire un demi-barré à la 5e. Vous allez attaquer assez fort les cordes avec la main côté chevalet. Et faire un petit hammer-on. Donc ça va être une grace note à la 5e case. Ensuite, vous souvenez votre La majeur. Donc vous avez la tierce majeure, le Do dièse ici, à la 6e case. Simplement, on va remonter. Donc alors, vous pouvez faire évidemment, ça ne va pas sonner terrible en fait. L'idéal en fait, c'est d'amener cette tierce vers un ré, vers la quarte. Donc vous allez faire la double note avec le mi. Et toujours en appoggiature, hein, toujours en grace note. Vous voyez que rien que rajouter la note La, la basse, on va remonter, donc là on va avoir la fondamentale, enfin l'octave de la tierce majeure, et on va doubler avec le petit doigt à la 7e case. Alors vous pouvez tout rattacher, donc vous prenez le demi-barré, 5-5, l'appoggiature 5-7, ensuite on remonte de deux cordes, donc on a cette diade. Avec l'annulaire, on va faire pareil, le slide. Et ensuite, on remonte de deux cordes. Là, on va faire un petit hammer-on pour off. Vous pouvez frapper un peu les cordes. Alors, tout dans la nuance, hein, bah, c'est ça qui fait ce style-là. Vous pouvez slider ici, donc ici, on a là. Quinte et l'octave. Vous pouvez prendre la basse avec le pouce. Alors comme on est en La, je préfère prendre la corde vide avec le pouce. On passe en Mi ensuite. Alors ça serait pas intéressant d'avoir cette même station à partir de la 12e case ou de la corde à vide, puisqu'on ne va pas la retrouver en fait très bas dans le manche. Je préfère aller ici en fait sur une diade. Alors ça va être une triade plutôt. Et on va comme ceci décaler. Et reprendre cette station de Mi majeur penta, sauf qu'on rajoute la blue note. Vous pouvez vous amuser comme ça à faire le demi-barré à la 9e case, corde de Sol-Ré. Et le hammer-on sur la 11e corde de Ré. Et toujours la corde à vide de Mi. Ré. Là, je prends un Ré sus 2. Et en fait, je vais amener avec un Sol. Donc, là encore, ça va être une quarte. Donc essayez de les claquer. Et on revient sur le La. Merci d'avoir suivi cette leçon. J'espère que ça va vous inspirer, vous donner des idées pour vos petites jams. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Raw Guitar et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye.